Bonsoir, ça y est, je suis au puits en vélo. Il est presque 20h et je rejoins le camping. Demain matin, nous allons assister à la messe des pèlerins. Et voilà, nous avons fait une journée de train, pratiquement. C'était un petit peu fatigant, mais bon, on savait ce qu'il y avait au bout, donc pour moi, c'était très important. On est très bien installé au camping. On est aux Aiguilles. C'est vraiment tout près, tout près du Puy-en-Velay. La preuve, c'est que les Aiguilles sont d'à côté et Puy-en-Velay, par contre, c'est à l'envers. Le Puy-en-Velay est juste là. Donc là-haut, et derrière moi le pic. Demain matin, on ira rejoindre là-haut pour assister à la messe à 7h. Et là-haut, vous voyez la fameuse Vierge rose. On se demande comment est-ce qu'ils ont été construire une église là-haut. Franchement, c'est impressionnant, très impressionnant. Voilà. Je retourne au camping manger, les tentes sont installées. On a les sanitaires tout en face de nos tentes. C'est super, 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 tout est bien. Il y a une petite salle pour charger les téléphones. Super. Donc voilà, je vais rejoindre Stéphane qui m'attend. J'étais un peu dans le centre-ville pour chercher du cash parce que au Super U ça marchait pas. Donc on n'est pas loin du Super U aussi. Ah voilà. Bon, faut que je me trouve une casquette pour demain parce que j'ai oublié les miennes dans la voiture. Alors, ils annoncent pas trop de soleil, mais on sait jamais. Sinon, ben, je sais pas ce que je me mettrais sur la tête. Un t-shirt, du ruban adhésif. Allez, bonne soirée à tout le monde.